Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et je suis heureux de te retrouver parce que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait une semaine, pas de pause, mais presque. Hein. Je fais ça très tôt le matin et en fait, j'avais pris un peu de repos. Donc ça faisait du bien et puis ça permet de relativiser et de reculer, de prendre du recul. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de notre amie Corinne Bouget. Alors Corinne Bouget, bah, je suis fan. Corinne Bouget, qu'est-ce que c'est ? Faut le dire, parce que je vais te dire pourquoi c'est important de parler de Corinne Bouget. Corinne Bouget, c'est une nutritionniste qui a fait un livre qui s'appelait « Les additifs alimentaires » à un moment, son petit livre jaune là, et en fait qui a été très 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 importante, et on lui doit ce qui se passe actuellement, les avancées qui sont arrivées, puisqu'elle a permis de rendre conscients les gens qui consommaient de la nourriture et de lancer, pour ainsi dire, alors on va me dire oui, c'est pas que Corinne Bouget, mais il y avait quand même Corinne Bouget, de lancer le mouvement qui consistait à vérifier à la loupe nos aliments dans les magasins, quand on achète et quand on consomme. Alors c'est pas rare maintenant, il y a des applications. Moi j'ai expliqué, j'ai plutôt un stupidphone, j'ai pas un smartphone, mais c'est pas rare quand tu es au supermarché de voir des gens utiliser leur smartphone et flasher le code barre du produit pour voir si c'est bon pour eux, pour leur bébé, pour leur mari, pour leur famille. Et en fait, ça c'est super et c'est génial et c'est à Corinne qu'on le doit. Et depuis quelque temps, eh bien, le nombre d'additifs dégueulasses ne cesse de baisser. De baisser dans les nourritures, dans la nourriture, dans notre nourriture. Et tout ça, c'est grâce à Corinne et on devait lui dire merci. Alors, certains ne comprennent pas parce qu'elle est morte dans une situation curieuse. J'avais déjà fait quelque chose là-dessus. Et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. De toute évidence, elle a été, on va dire, mise sous pression quand même. Et je pense que même si on ne l'a pas poussée, eh bien, elle a été suffisamment mise sous pression pour craquer. Les industries, les lobbies de la nourriture, les lobbies de l'alimentaire sont très, très, très forts, au moins aussi forts que les lobbies spatiaux, les lobbies de l'armement ou d'autres lobbies. Si tu as regardé, je crois que ça s'appelle L'Affaire d'État, hein, le film sur la vente d'armes des années 60, il est difficile à trouver, essaie de le trouver. Eh bien, en fait, tu t'aperçois que des gens qui veulent dénoncer, entre autres, la vente d'armes, eh bien, se trouvent à avoir des accidents de voitures ou passent par-dessus la fenêtre. Ouais, ce sera un autre sujet, les ventes d'armes, je t'en reparlerai. Mais donc, Corinne Bouget, eh bien, elle est décédée dans des conditions douteuses. Sa famille a dit que c'était pas un suicide, c'était sans doute un accident, ils avaient peut-être peur aussi. Quoi qu'il en soit, elle nous a légué ce petit livre qui est dans ma bibliothèque et qu'il faudra que je te retrouve. Et grâce à elle, et bien on peut dire qu'on a commencé à avancer vers un monde où les compléments alimentaires seront moins nocifs. Et merci Corinne, merci Corinne, merci Corinne. Je le dis et je le redis. Alors, tu sais, de temps en temps, j'ai tendance à être... oui, ça c'est la télécommande des couleurs derrière. J'ai tendance... d'habitude à être assez circonspect, à pas être absolument complètement convaincu de tout ce que j'entends. Et une des meilleures preuves que finalement Corinne Bouget était dans le vrai et qu'il s'est passé des trucs pas clairs à son égard, c'est que en fait, eh bien, elle n'a toujours pas de Wikipédia. Hein, c'est incroyable, Corinne Bouget n'a toujours pas de Wikipédia. Alors Gabriel Attal va devenir aujourd'hui, au moment où je parle, ministre de l'Éducation nationale. Je ne sais pas si tu vois, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, mis à part rimer, il n'y a pas grand-chose en rapport. Et là, Corinne Bouget n'a pas de Wikipédia. Alors s'il y avait une preuve à donner pour montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, eh bien dis donc, Corinne Bouget n'a pas de Wikipédia. J'insiste, je demande aux personnes qui la connaissent bien, je demande aux personnes qui peuvent influencer les choses de faire un Wikipédia pour Corinne Bouget. Et j'envisage, au niveau de Sentier du Bonheur, de créer des prix que je distribuerai. Et en fait, j'envisage, bien entendu, de créer un prix qui sera donné à Corinne Bouget parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a marqué son époque. Malheureusement décédé trop tôt,
Hein, elle était précurseur, elle était des années, des décennies en avance. Hein, mais elle nous a permis de vivre mieux. Elle a permis à la maman qui va acheter au hasard presque dans son supermarché un produit ou son épicerie de ne pas tomber sur des flopées de saloperies. Merci Corinne. Merci Corinne. Si vous la connaissez, si vous avez des renseignements la concernant, si vous pouvez nous aider à aller plus loin là-dessus, eh bien je vous invite à nous contacter. C'était un hommage à Corinne Gouget et c'était aussi un appel à créer un site Wikipédia dédié essentiellement à Corinne Gouget. Voilà. Merci. Bonjour chez vous.